Et je suis encore perdu. Ah, là, c'est quelque chose. Tapez. Pardon. Je crois avoir retrouvé quelque chose. Par là-bas. Alors là, on est sur le serveur. Pour l'instant, bah, il a été encore, il a encore, comment dire, il n'est pas encore ouvert à tout le monde, mais ça me ferait de venir, car on a eu des problèmes avec. À cause de quelques petites personnes, on va dire, qui sont amusées, bah, à griffer beaucoup de nos bâtiments. Comme toute le feu dans toutes les maisons qui étaient en bois, quoi, donc nous avons pu voir qu'avec regret que beaucoup de personnes se sont vues retrouver à la rue, quoi. Et bref. Disons que j'espère qu'il y aura du monde. Nous sommes en vue de l'île qui est en construction. Car d'après ce qu'on a prévu, l'île devrait être super grande. Parce que vous voyez, là, il y a juste quelques petits étages, mais on a l'intention, en fait, de la faire monter au moins à peu près arriver jusque là, quoi. Donc, il va nous en falloir des matériaux. Un petit lag, en espérant. Ah, les frises! Je bouge plus! Quand? Ah, le soleil. J'ai dû manger, oui. Alors, en regardant la carte, normalement, il devrait... Ah, je sais, on va se mettre là-haut, et puis de là-haut, on verra sûrement. Les autres maisons, des gens. Enfin, des gens. Il y a beaucoup de constructions qui ont été détruites, mais... Disons qu'on va dire que les plus belles ont survécu. Alors, je sais plus, c'est par où. Mais c'est pas grave. Je crois que j'avais traversé le désert. En revoyant la carte. Je suppose que c'est par là-bas. On va éviter de sauter et de se casser les jambes comme d'hab. Ça, c'est une de mes habitudes. Je me prends pour un super-héros, je crois savoir voler. Et puis, bah, je tombe tout le temps. Je n'ai pas l'habitude d'appuyer sur Shift pour me pencher et donc éviter de tomber. Je me vautre tout le temps. Voilà. Et sinon, ben,
sur ma partie solo. Ah bah voyez, je viens encore de me vautrer. À moins que ce soit un monstre qui m'a attaqué. Je n'en vois pas, donc soit ils ont pas popé dans cette zone. Ce qui est extrêmement étrange. Et je me suis trompé de chemin. Je voulais vous montrer l'avancement du serveur, mais si je me paume, j'ai pas gagné. En plus, je peux pas me TP dessus parce que je suis tout seul là en ce moment et donc je peux même pas aller me téléporter sur une personne qui se trouverait là-haut. Et parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, normalement, les cours ont repris parce que les vacances scolaires sont terminées. Et donc les autres doivent être sûrement en cours. Ou des trucs dans le genre-là. Ce qui est bizarre, c'est que je ne te trouve pas. Je ne trouve pas. Alors que d'habitude, on trouve assez rapidement. Je ne pensais pas m'avoir éloigné autant de la ville. Oui, parce qu'on a une petite ville avec une mine, tout. C'est très joli. Bah, c'est aussi la mine. Disons qu'il y a beaucoup de choses faites en terre. Enfin, en terre. C'est en cours de construction et comme on manque d'effectifs, bah c'est long à venir. En plus, je peux même plus m'amuser à tuer les... Ah, je suis revenu au point de départ. Je peux même plus m'amuser à tuer les mobs parce qu'ils peuvent, ils spawnent plus à l'infini, donc c'est plus drôle. Enfin, d'après ce que j'ai entendu, j'ai jamais testé. Parce que depuis que j'ai appris ça, bah, j'ai arrêté de tuer tous les mobs que je croisais. Et voilà. C'est pourtant pas compliqué, hein. Je suis sûr que j'étais tout prêt et je tourne en rond tout à l'heure. Je ne pense pas avoir changé d'île. Alors là, c'est une carrière. Voilà. Alors, je ne sais plus si c'est sur ce serveur-là ou si c'est sur cette partie de carte. Mais il y a un immense château qu'on s'est amusé à faire. Enfin, amusé. Façon de parler, quoi, parce que c'est du boulot. Oh, j'en ai marre, je tourne en rond. Qu'est-ce que c'est? Je sais que j'avais traversé le désert. Mais lequel? C'est ça le problème. Oh, j'en ai marre du lag. Ah, je me pète les jambes, je tombe tout le temps. Je suis obligé de bouffer. Ah, normalement, ah, on veut du fer. Hop, on va le prendre. Alors, je vais traverser le désert. Que c'est long. Hop. Hop. J'aime bien me regarder. Alors, si vous voyez, regardez, je suis un ours, en fait.
Aujourd'hui, en ce moment, je suis dans ma période ours. Ça dépend des moments. Ah bah voilà. Vous voyez, j'étais à 10 mètres. Enfin, 10 mètres. De là-haut, j'aurais pu le voir, quoi. Nous arrivons derrière la première maison. Ou la maison la plus éloignée. Pour l'instant. Parce qu'en fait, là-haut, ça sera en fait une île, en fait, on compte mettre faire une île dans le ciel, un peu style Laputa, quoi, mais qui repose sur des bases qu'on sait pas encore comment on va faire, mais ça va être bien compliqué. Ah ben voilà, ça y est, on a retrouvé. Enfin, j'ai retrouvé. Il est encore actif? Oui. C'est une poubelle qu'on a fait. Ah, on a laissé ouvert. C'est pas top ça. Les mobs pourraient spawner dedans. Bah, étant donné que c'est une construction que j'ai participé, je demanderai l'avis de la personne si elle accepte qu'on visite sa maison. Hop, on traverse là. Ah, nous arrivons au phare. Puis pour l'instant, je crois qu'il est en état de marche. Notre phare est en état de marche, je crois. Je vais vérifier avec vous. Hop. Il n'y a pas de porte. Hein. Disons que... En général, il n'y a pas de voleurs ou de salauds qui viennent détruire. Donc, la plupart du temps, soit les portes, on les laisse ouvertes, soit... Ah, vous voyez, là, normalement, c'est censé être une horloge, ça. Vu de très loin. Je vous l'accorde, c'est un peu moche. Et d'après ce que j'entends, ça a l'air d'être allumé, oui. Donc le phare est allumé. C'est un phare qui est censé nous guider tous les voyageurs pour retrouver la ville. Ou même éclairer... C'est un peu un phare comme dans les ports de plaisance, quoi. Le phare d'Alexandrie, quoi. Donc redescendons. Oui, c'est pas encore top niveau chemin pour y aller, mais... Un phare, t'es pas censé y aller, quoi. Et nous arrivons au pont. Avec le coffre. Où je vais déposer tout ce que j'ai passé. Oula! Nous avons eu beaucoup de matériaux. Dans nos coffres, nous essayons de ranger à peu près par matière, en fait. Vous voyez, le gravier, le verre, tout ce qui est la brique, les dalles, et là, vous voyez, c'est tout ce qui est... Bah, on a les galets. Les galets, ils viennent des pierres, et les pierres deviennent des terriers. Comme là, on a du sable, et ça devient du grès. Donc du sable là, là, de l'eau. Un diamant qui me reste. Bon, cette eau-là, elle a été cheatée, mais c'est un des rares objets que l'on cheat, quoi. Car de temps en temps, on a besoin de... on avait besoin d'eau à un moment pour faire je sais plus quelle construction, et puis voilà. J'ai du bois, j'ai des portillons, des barrières, des échelles, voilà. Alors, ce pont n'a pas été très long à construire. On a essayé de faire un style un peu comme le pont de, comment ça s'appelle, ça doit être San Francisco, je crois, le Grand Pont Rouge, en Amérique, oui. C'était inspiré de ça,
Mais en fait, à l'origine, on aurait voulu un truc un peu plus arrondi, et ça a fait un peu des espèces de triangles bizarres. Mais nous arrivons dans les grands chemins. Vous voyez, ça fait un peu bizarre, mais pour l'instant, on a essayé comme ça. Alors, vous voyez, là, il y a des murs en terre. Les murs en terre, normalement, vont disparaître pour laisser place à d'autres murs, mais on ne sait pas encore en quoi on va les faire. Donc pour l'instant, la terre qui ne servait à rien, bah on s'en est servi pour faire des murs de protection contre les monstres. Que l'on va même finir ici. Cette construction, je vous la montrerai après. Parce que c'est ma propre maison. Donc là, on visite toujours. Tac. Et là, il y a une mine qui descend très 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 profond sur une gorge que l'on a rebouchée pour éviter de tomber dedans. Mais c'est en fait, on a l'intention à l'intérieur en fait. Je vais descendre, vous montrer. On a l'intention. On va peut-être éclairer un petit peu. Voilà. On a l'intention en fait après. Voilà, là c'était en fait les sous-sols de d'une ancienne construction qu'on a laissée. Vous voyez, là, on a l'intention en fait de creuser dans les parois pour faire en fait un espèce de village nain qui serait sous terre, quoi. Enfin, sous terre, plus dans la roche, quoi. Enfin, c'est pour l'instant, c'est une intention, quoi. On n'est pas. Ce projet est en cours, mais pour l'instant, personne ne s'est porté volontaire pour le commencer. Donc, je reviendrai par là après. Nous allons continuer par là. Ici, c'est une jolie petite place. On mettra sûrement une fontaine au milieu, par là. Mais je ne sais pas, on ne sait pas encore comment on va faire. Bon bah là, c'est pour aider. Oui, on a mis des coffres en moitié. Là, il y aura un chemin, mais pour l'instant, il est bouché parce qu'on veut pas de monstres qui viennent nous emmerder. Par là, là aussi, il y aura des chemins, et là, on va arriver dans le deuxième secteur. Des maisons. Bon, il y a l'arbre là qui pousse, qui fait un peu chier de temps en temps, mais voilà. Et comme vous voyez, là, bah, il n'y a plus rien. Parce qu'il y avait une grande maison, tout en bois, qu'on avait passé presque 3 mois dessus à construire, et puis, bah, c'est un peu parti en fumée. À cause de certains kikoulol, de Jean Kevin, comme certains l'appellent. Et puis voilà. Donc je vais me dépêcher. N'avais pas de lag. Alors ici, il y a c'est notre mine avec nos systèmes de minecart pour desservir les futures prochaines villes. Et là, en face, ma maison avec mon petit panneau, le bain de pied pour éviter de salir. Et nous allons rentrer dans la maison. Hop, je referme. Tac. Alors, ma belle cheminée. À l'origine, ça devait être un aquarium. Je voulais mettre des poissons dedans, mais vivants, que j'avais pêchés, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est une espèce de fontaine bizarre, qui ressemble à pas grand-chose. Ma belle petite cuisine, mes fours, mes hottes, mon évier, idée prise à divers endroits.
Cela est censé être... Et là, mon frigo, qui est fonctionnel. Mon coffre à nourriture. Nous descendons à la cave avec une petite vue pour voir s'il y a des monstres. Et vous voyez, il y a des cultures, mais pas de monstres. Ce qui est bien. Passons au premier étage avec ma superbe télé. Idée prise dans le DE Cube saison 3 de Bob Lennon et Fantasio. Ma terrasse, qui n'est pas très grande, mais avec vue sur... avec vue. Là, je ferme. Voilà. Voilà. Un patio, comme ça je peux voir les gens rentrer, sortir. Nous arrivons au toit avec mon lit, où je vais dormir même. Et voilà, hop, je peux même voir dehors. Et voilà. Ben, c'est fini pour la visite. Merci.